forestière ou autre. En complément à ces premières mesures, pour préciser ou pour parfois compléter, le renoncement au ni oui ni non donné par le président de la République en réponse aux questions sur sa candidature éventuelle en 2024 et la confirmation de l'impossibilité d'un troisième mandat consécutif en conformité avec la lettre de la Constitution et l'esprit de cette dernière, tel qu'il a eu à l'exprimer lui-même au moment de la réforme constitutionnelle. Cet engagement du président Macky Sall doit être public et faire intervenir des garants tant nationaux qu'étrangers. Considérant la contre-vérité contenue dans la décision 2E-2019 du 13 janvier 2019 du Conseil constitutionnel, insérée dans le but de pouvoir se réfugier derrière le respect de la Constitution pour justifier le rejet de candidats à la présidence de la République, il est demandé l'abrogation du système de parrainage qui s'est révélé inapplicable et incontrôlable, et dont il a été prouvé qu'il n'a comme objectif que l'élimination de certains adversaires politiques du régime en place. En outre, il est demandé de récuser le Conseil constitutionnel dans la validation des dossiers de candidature à la présidence de la République. La réécriture des articles L31 et L32 du Code électoral pour mettre fin à l'automaticité de la peine consistant en une suppression des droits civiques en rapport avec la moindre condamnation pénale. La perte des droits civiques, lorsqu'elle doit avoir lieu, devra faire l'objet d'une décision prise par le juge en sanction de certaines fautes clairement identifiées et pour des durées déterminées, bien encadrées, en conformité d'ailleurs avec l'article 730 du Code de procédure pénale. La modification du Code électoral en son article L57 modifié afin de dissocier le statut d'électeur de la capacité à être éligible, comme cela se faisait autrefois le cas, comme cela était autrefois le cas, pardon, par son article L27, et ce faisant, on se mettrait d'ailleurs en conformité avec notre Constitution en son article 28. La suppression du statut de non-électeur associé à la carte d'identité nationale et la liberté laissée aux citoyens, remplissant les conditions, bien entendu, de s'abstenir ou pas et de voter quand ils le souhaitent. L'établissement et la gestion du fichier électoral par un organe indépendant de l'État soumis au contrôle des partis politiques. La nomination d'un nouveau procureur de la République et d'un nouveau doyen des juges d'instruction en raison de la capacité démontrée de ceux en fonction à toujours aller dans le sens de